Et le lendemain, le soleil est levé, la police encerclée l'ambassade de Taïwan, après avoir obtenu l'autorisation de l'ambassadeur, qui était d'ailleurs sur place, et il a arrêté Colombien. Mais pas oublié, non? Ma bonne partie USGPN, là. Bon, l'autre partie que je vais l'expliquer, des autres unités de la police nationale. Et vous pouvez comprendre le bon bagage qui t'a passé. Et pendant Asoa, suis-moi bien là, vous comprenez. Ça veut dire pendant Asoa, ça veut dire beaucoup aller qui n'a pas sa taille, mon nom, pendant Asoa. Chef opération USGPN, non, il continue l'appeler deux policiers. Parce que pendant nèg ap tire sous Colombie, sous route là, côté OTA, deux policiers USGPN étaient toujours dedans avec eux. Ils étaient prêts comme otages. Et Colombien, étaient kembenek sa yo. Pendant ce temps, opération a fait là. Chef opération par les nationales lui-même, puisque c'est Vladimir qui a fait opération. Hein? Chef opération par les nationales, après les négociations dans le téléphone. Yo. Et bizarrement, pendant l'opération, il y a un nayo qui répond. Oui, chef! Et puis il dit, commandant, ça veut dire, la parle avec chef opération par les et pas avec Vladimir Barizono. Commandant, Colombien dit au pape Goumé. Il a déposé les armes. Il a voulu négocier. Nixon, c'est passionnant, hein? Et chef opération, prend le téléphone. Il est Dimitri. Il dit Dimitri, moi je vois nous dans les GPN. Qui nomme les négociés? Les négocier. Faut camper opération. Et information, c'est une otage au Bali. Et comme Dimitri, comme chef lui-même, il a information, il est déplacé, l'alcool par raison qu'a fait opération avec des CPA, il dit négo, mais il y a un négo à GPN qui nomme Colombien au relais, des possibilités. Pour Colombien, rentrez tête parce que les négociants ne pas goumer. Il faudra pour accepter ou cesser le feu. Les gens font réfléchir. Les gens disent, ok, puis je vais prendre tête. On campe. Mais la paraison à camper opération, il est toujours posté néglio. Et les snipers dans la même position stratégique. Sans que les pas dit. L'autre nèg qui vient de bail information ça yo pour camper ce self là. Ou comme a priori, si, par raison son stratège, monsieur pas voulait prendre un piège. Hein? Monsieur dit ok, pas de problème, il suspend si. Nixon digital pour garder bail ça. Effectivement, après un petit temps, très court, bon mercenaire. Qui sorti. Il sorti avec une dans USGPN. À pied. De quel côté on a commencé. Kayo dit qui était pour tel monde, etc. De quel côté on a commencé. Un mercenaire sorti. Un policier sorti. Il descend. Il arrivait devant Kidam. Il avait dit côté on était barrière dans la position stratégique. Côté négo. Mais ça me souvient. Quelques minutes après, l'autre mercenaire qui sortit avec ou l'autre USGPN. Ça veut dire deux mercenaires sortis avec deux USGPN qui étaient retenus dans Ménégo comme otage. Donc ça veut dire qu'on n'a pas otage dans Ménégo. Deux mercenaires, ça y est. Nixon.
Walter et Magloire qui a fait émission avec moi là. Deux mercenaires, c'est deux haïtiens. Et bien d'ailleurs, deux haïtiens que nous entendons, ils citent nous. Ça qui t'a fait pour dire, et ça qui t'a fait pour FBI, qui parle créole là, qui t'a dit get back, nous parlons là. C'est aux deux. Donc, vous voyez les nègres venir pour venir négocier. Léon Charles, par raison, tout est bédonné avec ça, et puis tout récupéré. Deux otages UAGPN, et puis les nègres disent, ils prennent mes armes sous les nègres parce qu'ils ne sont pas otages encore. Ils campent là au fond titan. Les têtes nègres, ils prennent mes armes. Et les nègres tentent toujours les quatre nègres arrivés au fond titan parce qu'ils disent, on cesse le feu, les nègres prennent la tête. Après une heure d'attente, la police dit qu'il n'y a pas frappé. Il n'y a pas continué. Qui t'aime dit non bagaille avant frappe là. Ça veut dire avant reprise opération. Avant de relancer deuxième partie de Assoua. Pendant l'opération, quand Neg, USGPN qui était dans mes négos, relé par téléphone pour négocier, ils ont porté téléphone dans Léon Charles. Léon Charles dit, je comprends. Je ne peux pas parler à Kassayan. Mais on va pas finir sur le président et puis qu'on a vu pour téléphone, moi, monsieur. Et pour protéger nos nègres, pas citer nos nègres, qui t'a porté téléphone dans le Léon Charles là, parce que son nègre qui t'a porté téléphone dans le Léon Charles, il dit pas comme ça. Suivez-moi bien là. Léon Charles dit nègre, pas comme ça. Et c'est à partir de ce moment, Léon Charles commençait à garder Neg USGPN de l'autre façon. Vous comprenez? L'a garder Neg USGPN de l'autre façon. Et comme il était une unité avec elle, Léon Charles déplacé avec unité à l'autre posté ou l'autre côté parce qu'elle dit pas comprendre comportement Neg. Mais on dit, Léon Charles pas qu'une histoire, que n'est que sous route, etc. Parce qu'elle pas comprendre, il devient suspicieux. Parce qu'elle pas comprendre comment on fait un téléphone monde pour assaillant apporter, abouer, messager dans l'USGPN Bali pour lui-même être capable de parler. Et le problème, c'est que Dimitri n'avait jamais expliqué sa stratégie. Et ça a expliqué aussi que l'USGPN était un bon et les autres unités étaient l'autre bon. Tu avais dit que c'était un problème. Unité, surtout que n'est pas là, c'est le plus gros chef. N'est pas là, c'est cette personne. Parce que depuis le président et sécurité, c'est le chef. L'autre monde barré. Tout n'est toujours besoin de travail dans le palais. Et Nixon est capable de témoigner, ça m'a dit. Hein. Tout le monde n'est pas dans le palais comme si pas de travail. Donc, Léon est devenu rapidement très mal à l'aise. Et monsieur a le repositionné parce que monsieur dit qu'il y a des combats qui ont passé mal là, que je ne pas saisi. Et monsieur a mis une position stratégique en cas de complot. La veille tout pour s'y paguer. Rafale qu'a fait pour pas tout mourir comme directeur général. Parce qu'elle ne vit pas. Parce qu'elle ne comprend pas. Parce que imaginons, pendant qu'on finit de tuer un président, et puis à ça, elle rejoint le téléphone pour aller le monde. Pour le monde capable de parler avec elle. Bon, monsieur obligé de suspecter. Il y a des GR les SWAT. Il dit SWAT. Dégagez en engagement là. DCPJ, DCPA, toutes les gonettes, mettez en position. Et il faut me rappeler, nous, même je sois ça, nous songeons, Walter, tu as une information qui est circulée qui dit, tu as une CSPN spéciale que Claude t'a fait et
Léon Charles quittait l'opération pour aller dans ces CSPN spécial ça. Mais les policiers ont été sur place. Ok? Qu'on y a mes nouvelles. Qui gagne? Comme assaillant bloqué, beaucoup de kidam, non, calendrier assaillant, il n'y a pas de gain pour te bloquer, beaucoup de kidam. Il y a gain pour descendre net. Les gens ont bloqué, beaucoup de kidam, il y aurait les chefs. Qui c'est docteur Sagan? Selon les données disponibles dans les dossiers classés relatifs à l'enquête. Dans le même lieu, ça, négocier ça, non? Et on m'a dit ça, non? Ça qui passe là, parce que nous, la police bloque nous, c'est pas ça que tu as dit. Toujours selon dossier qui classé. Ça non, prend téléphone et le relais John Joseph Joël. D'après les relevés téléphoniques et des informations claires que nous avons de sources combinées. Négio est au marais, et pas ça, on te dit, oh, et pas ça, on te dit pour faire. Négio relé, monsieur Badjo. Même là, parce qu'il est bloqué pour demander, ça passe, parce qu'il est bloqué. Qu'on y a, ou même cap suivre, ou à poser tête ou question. Et il m'a et pas moi. Maintenant, a priori, les ravisseurs, les Colombiens, les assassins, les tueurs, avaient pour mission de se rendre, de continuer leur progression pour aller dans le palais national. Et l'opération Negro était planifiée, bien planifiée, entre minuit et 1h30. Du matin. Ne le ça. L'on a des dossiers positionnement la police. Ne le ça. Ou pas besoin presque patrouille dans la rue. A bien une ou deux patrouilles seulement. Pas besoin de moyens pour unité spécialisée. Guetant mobilisé pour faire face avec yo. Et nèg sa yo t'après aller, m pa konnen si yo gagne une complicité quelque part, mais yo te gagne pour yo aller et rentrer dans palais national. Par contre, qui Jean est à l'entrée dans le palais national? Femme, dis-nous, Kai, président, selon dernière information que j'ai, tu es supposé qu'il y ait environ 30 policiers chaque soir pour être capable de défendre la résidence. Pour nous bailler tant nécessaire à renfort pour renfort capable de briser. Et joue ça, pas de 30 policiers. Ça fait, suivez-moi bien l'explication de ça. Il y a un bagage qui déjoue plein. C'est parce que commandant par raison, qui pas non dynamique, là, dans logique là. Qui pas connu comme élément externe à parler ce qui a passé et commandant
comparaison rivé en même temps que les autres dans opération. Ça veut dire gon élément n'avait dit m'ataka dit moi être non mais gon élément qui pas là qui t'est échappé à nèg qui t'a monté opération yo et les complices puisque par raison paraît ça ça peut t'a fait c'est ta fusée pour ta fusée par raison mais par raison tellement son nèg qui habile monsieur a joué rapidement et monsieur très véatif donc monsieur son élément non qui vient dans groupe là parce que les ces mercenaires avaient pour mission pour passer descendre pour commissariat pour aller donc gain 3 morts 18 arrêtés et 4 mercenaires en cavale le nec qui cavale probablement c'est nec ça au cas là avec dossier important que vous prenez en chambre et que Martin Moïse expliquait dans l'interview que le bail à un journal étranger. L'autre information. Dans cette affaire, d'assassinat du président de la République, la police nationale, dans le cadre d'enquête que l'a menée, je découvre non Madame Coq. C'est lui qui aurait le dossier mercenaire Diamante. Madame ça, d'après la police, l'y impliquait jusqu'au cou. Selon déclaration que verbalisé des mercenaires, des assaillants méchants, que yo te posé question. Policier qui fait partie de groupe qui a mené enquête et investigation. Yo mené à sa yo dans résidence privée Madame Coq. Tenez bien ça. Parce que m'a si Walter, ministre, si nous même nous te comme ça, Nixon. Madame Coq était bizarrement. Qui bonne pensée, monsieur? Père de 25. Et dans ce même quartier, selon des preuves tangibles et des relevés scientifiques incontestables, le nommé Badio, le cerveau de l'opération, monsieur Tel Wonkai, pour ça, nous appellerons 5 objectifs pour faire reconnaissance des lieux et garder bien pendant des jours qui j'ai un président à monter, qui j'ai un policier, qui j'ai une configuration, qui j'ai un parle pour un président. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Dans le cas à côté de Madame Coq, appel R5. Les juges de paix avec des CPJ allés, ils ne pas joindre même Wash dans le cas. Car elle a vide. Pas de rien dans le cas même. Pas de monde, pas de cabane, pas de chaise, pas de rien dans le cas. Et c'est ainsi qu'un avis de recherche a été lancé contre les nommés Badio, Jean-Joseph Jorel, Dodon Jacques Gordon, Madame Coq, etc., etc. Et il faut dire également les 3 policiers haïtiens en activité. Les policiers haïtiens arrêté et qui fait partie de complot. Gayoun qui en cavale, gayoun policier qui court. Walter Nixon. Ce sont les gens qui m'accompagnent là pour cette émission aujourd'hui et notre ma gloire.
gen environ 200 moun qui impliqué dans montage assassinat Jovenel là. 200 moun impliqué dans ce vaste complot monté par des secteurs politiques, des secteurs financiers haïtiens à l'étranger. C'est des millions de dollars qui investis par des mains souterraines pour monter cette opération visant à assassiner le président Jovenel Moïse et prendre le pouvoir. C'est un coup d'État classique. Mais, n'est pas arrivé tuer le président, mais n'est pas arrivé rentrer dans le palais national. Mais dans plein temps, il était gagné pour y aller dans le palais. Franchement, dis-nous, monsieur Gordon, comme c'est cité non là, son homme de loi, un avocat, selon la police, selon des sources dignes de foi, qui aurait été Haïti 2054. Qui est pour objectif de monter des projets, trouver financement pour être capable d'arriver à investir et qui sait développer en pile partie dans le pays d'Haïti. Monsieur Gordon. Donc, dans quatre projets, ça, Gordon et Sanon ont rencontré un pile politicien en Haïti. Politicien bien connu. Mais nous remarquons, et pas moi, puis brave, c'est tout le monde. Gounneg, ça nous a rencontré. Tout le monde peut citer nous, monsieur. Et moi-même, ma brave, et pas moi, plus brave, moi, assez intelligent. Monsieur, moi, je ne vais pas citer non, monsieur. Je ne vais pas citer non. Mais monsieur, pour qui est-ce que je peux citer non, non. Ou n'importe qui, les lois, je vais monter, je ne vais pas citer non. Vous comprenez? Mais, qui t'aime décrire, nous. Qui t'aime décrire, nous, monsieur. Monsieur, son parti politique, mon chef parti politique. Monsieur, son de la gauche. Monsieur, son ancien allié de René Breval. Monsieur le ministre, et monsieur, ce n'est qu'il y a un compte avec la famille Lavalas, parce qu'un document était fait quand il était accusé de Lavalas. Donc, tout le monde rencontré, tout monsieur a rencontré tout le monde, et il a rencontré un gros intellectuel haïtien, très connu, un monsieur c'est presque un historien lié, j'ai rencontré monsieur tout, et j'ai rencontré un journaliste qui est médecin, que tout le monde connaît dans le pays. Ok? Et bien moi, je m'a dit personne. Donc, maintenant, USGPN, t'es bloqué. En plus, le monde a posé des questions sur l'implication de l'IRGPN. Il faut le dire. On n'a pas même peur pour me dire ça. Parce que il ne pas comprendre, pas l'IRGPN seulement, le comportement des policiers qui étaient à la résidence privée du président de la République. Et pour qui ça, on pas tiré. Tout le monde a posé des questions. Également, ça veut dire, et pour l'ambassade de Taïwan, pas de gain, Walter, pas de gain combat. Ok, pas de combat qui engage. Toujours est-il, c'est SWAT, Boyd, CAT et USGPN qui t'a mené attaque ça contre Colombien. Je voudrais, à la fin de cette émission, faire une conclusion. Haïti, son pays pauvre de l'hémisphère. La police fait partie des trois métiers
moins payé de la République. À moins que policier n'a corruption. OK? Policier mal touché tout le temps, nous connaît au côté des syndicats et revendications pour ça. Policier pas bien touché. Après policier, nous connaît ses professeurs avec médecins. Et policier fait partie d'une institution qui est pauvre, même si il y a qui fait corruption, qui vient riche. Mais les policiers, ils n'ont pas un cob. Ils sont misérables, cob. Ils ont touché d'ailleurs les hauts tirés, nous même mentalement, ils n'ont pas fait. OK? Donc, policiers très vulnérables. Et policiers capables d'accepter l'argent sale, non mais n'importe qui groupe, pour laisser passer des étrangers et aux capables complices dans l'assassinat de Jovenel. Un nègre, policier qui a Jovenel lui, ou a touché 14 000 gouttes, 16 000 gouttes, 15 000 gouttes, 25 000 gouttes, il a porté 100 000 dollars US barou, il a toujours soit ça, fait comme ça, pas ouais. Il y a un policier qui ne peut pas faire. Ça veut dire, policier eux-mêmes, gens à vivre, gens au traité, ils sont faciles pour corrompre. Je ne pas dire que c'est sacrifié dans le cas de là, mais ils facile. Et je ne pas dire, policier qui était cas Jovenel yo impliqué dans l'assassinat. Mais quand même, les bizarres. Les bizarres pour aucun nègre pas faire aucun tir. Les bizarres pour personne nègre en dedans injoyable. Les bizarres parce que les pas normal pour nègre à faire sécurité. Car un président pour zamou banan kou. Les bizarres pour nèg qui a fait sécurité, c'est une machine au chita, yo frise et puis abdomi. Moi comprendre bien pour qui raison gang pas capable policier parce que policier pas une capacité pour bataille à aucun nèg. Bon. Mais qui moun nèg sa oui? Colombien. M'a pas quitté. M'a cherché quoi nèg. Pour me capable informez-nous. Les rares photos que nous avons sur Facebook, lui montrer, bandit ça yo, nek ça yo, militaire ça yo, ils vont patch là yo. Dans l'uniforme que vous avez. À l'intérieur de patch là, Walter, bon bagage qui marquait. Lancero. En un patcha, il marque Lancero. Lancero a voulu dire force spéciale de la Colombie. C'est comme une spécialisation après leur fin dans l'armée ou fin d'expérience ou obligé à le faire. Une de formation, le jungle, le monde, combien de semaines pas manger pour qu'à faire partie de l'ANCO. Et le gain Sonneg qui a participé, qui a suivi épreuve ça, à peine si il y a 20 nègres qui a fait partie de l'ANCO. 80 nègres, pas capable. Donc, nègres, ça, Octavine, là, c'était des militaires, c'est des animaux, c'était comme des rangers, nègres, et c'est comme le monde qui connaît le cinéma, nègres, ça, chaque nègre, c'est un bon gueule.
et vraiment si nèg ça yo te gen zam pou vle goumen pa go ken nèg ki t'ap pran yo faut nou konnen nan peyi d'Ayiti faut pa bliye ou armé grand par rapport à expérience l'armée colombienne la bataille depuis 1964 contre les FARC hein Walter qui est un diplomate l'armée colombienne est une armée d'expérience depuis 1964 à nos jours l'a mené une guerre non conventionnelle. Ça veut dire la bataille chaque jour et la guerre continue. Donc, les 28 mercenaires, Nexao, c'est 28 machines à tuer. Des tueurs à gages, des sans-froid ni loi. Et aucune unité de la police nationale n'a pas qu'à résister et arrêter l'opération de ces malfrats. Parce que nous avons une technique pour ça, nous avons travaillé pour ça. Bien que vous prenez Negio, vous arrêtez Negio, donc c'est des nègres si vous comptez, vous montez dans le monde, vous avez des amis qui sont là, vous avez effacé tout nègre qui est là. Vous avez un nègre, deux nègres, soit trois nègres qui ont une formation, mais nègres ça, c'est des tueurs à gage, personne n'a pas qu'un béo. Donc, moun qui choisit nèg sa yo c'est pas n'importe qui moun les colombiens ont été bien choisis et bien recrutés par les responsables de l'opération et pour objectif tuer Jovenel là nèg sa yo pas que un rien t'a fait pas tuer Jovenel nèg sa yo t'a pris Jovenel quand même. Nèg palais national yo pa ta ka empêcher yo tuer Jovenel parce que nèg sa yo choisi yo chi méchant sa yo yo ta prend Jovenel quand même. Je voudrais souligner pour vous auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, vous qui nous suivez sur la chaîne CELS, Facebook, YouTube, etc. Nous-mêmes captons sous 107.7 FM stéréo. Pendant que vous avez entré quand vous venez là, assaillant vous, Colombien, vous lancez trois grenades à fragmentation. Tout policier haïtien vous dessous. Yo déboussolé, yo égaré. C'est jeter des âmes courues. Nego te aveugle, yo aveugle nèg yo. C'est quoi que vous m'avez dit? Son coup de tonnerre qui saute dans le ciel là. Nous avons écouté la radio, mais c'est un bar comme ça, tout près de tomber. Tout le monde n'a pas le recet. Courir, rentrer en bas cabane. Katia a tremblé. Policier haïtien pas habitué à grenade à fragmentation. Si c'était le cas, vous avez l'attaqué, moi dit, pas de monde qui connaît même. À l'extérieur, soit pour quoi l'extérieur, ou qu'attendez. Mais grenade à fragmentation, ça n'a pas gagné. Il n'est pas habitué à elle. Si la main d'œuvre était haïtienne, sécurité président. Les USP, les GPN, ils ont bataille. Disons comme si nous avions dit un groupe nègre qui sortit comme coalition de nègres armés, individus armés, qui sont dans tout quartier populaire monté pour apprendre au viol. Ah, et la vie. Mais on a goûté. Mais comme la main d'œuvre est étrangère, la main d'œuvre est venue d'ailleurs à Saint-Eau humilié policiers. Maltraité
président de la République. Et ont tué le président. Nous pas honte de l'assassinat. C'est Goumen à Goumen. Colombie était douée, Walter, présentez-nous, Nixon, excuse pour sacrifier. Nous tellement projeter une mauvaise image après assassinat président. Colombie pas occupé. Le futur Jovenel, nous parlons nous compte une millienne. Pas qu'il y a aucun ambassadeur colombien ou bien mon colombien pour ta venir ici si vous pas excusé pour ça passer. Mais dans tout pays sur la terre, vous avez déclaré persona non grata. Mais comme politicien haïtien, nous pensons que vous mourir, vous pas humilié nous, vous pas jamais mourir sérieux parce que c'est goumen d'ab goumen. Et pour finir, vraiment, une information qui tombait aujourd'hui. Martin Moïse, by une interview à New York Times. Il baille certains détails. Et il baille des pistes concernant l'assassinat de son mari. Et il dit que l'envisageait. Les pensées que capable candidat à la présidence. Et elle a dit que c'est oligarque qui a assassiné Marie. Elle dit le jour où tu as assassiné Marie, dit Avel, dans la même cabane, il y a eu des coups de feu. Et je venais le point téléphone pour lui les deux mounes, pour les mounes, et Martine dit, chérie, qui est-ce que vous là? Et je venais lui répondre, nous sommes les civils à Dimitri. Et je dis que vous êtes venu. Et c'est à ce moment ça, Martine dit que le cachet de Timounio, non salle qui m'a des fenêtres. Probablement c'est dans la toilette de cacher Timounio. Non, salle de bain alors. Il est retourné. Et beaucoup de maril. Le temps pour commencer à parler, n'est-ce pas entré dans la quoi. Et Jovenel dit Martine, couché. Là qui quoi à terre. Et Martine dit, ok, il est blessé. Col plein sang, là qui quoi à terre. Et il fait comme s'il mourait. Mais il a parlé en espagnol et il a cherché un bagage, un dossier en Dakar. Et il a eu un téléphone à parler avec un monde qui a dit chercher. Et puis il a cherché et puis il y a un négo qui dit, nous jouons. Oui. Il a dit, ok. Et puis le négo sorti, il a quitté à tête pour moi, il a sorti, il a mis pied sous le lit. Il a flashé pour te connaître le monde. Il propose de mourir. Comme il prend balle, il a quitté le comme moi. Et il est étonné que la Cali qui combien entre 30 et 50 sécurité, je ne sais pas bien toute sécurité ça. Il dit, il ne pas contre qui j'en personne ne va prendre balle. Il dit la police capable d'arrêter Colombien. Question importante proposée, c'est qui est-ce qui finance l'opération ça. Il m'a dit FBI, retracer Cobla, financement, qui route l'argent fait et qui est-ce qui baille Cobla. Et Martine, dans l'explication, il dit que c'est oligarque là qui fait ça et il cite non. Reginald Boulos comme étant quelqu'un qui s'est ennemi Maril. Mais il dit, c'est lui-même qui
payé assassiné. Mais c'était non, monsieur. Et comme tout le monde connaît, les générations ont connu des bails comme ça, c'est la déclaration de Martine Moïse. Mais elle n'a pas dit que c'est original. Mais tout le monde n'a pas d'oligarque qui a pensé que c'est mon qui est comme et mon minorité, etc. Mais c'est la déclaration de Martine Moïse. Donc, l'homme fait déclaration ça, on prend responsabilité, ok, par rapport à sa crivée. Donc, mais Martine dit pas candidat. Pendant que Martine dit pas candidat, il y a une question pour nous poser. Si Martine pas candidat, Walter, Martine va en face Michel Martelly. Par ricochet, on déduit que PHTK fait Jovenel un pile mal. Parce que si PHTK a collaboré avec Jovenel, je dis à Martine, peut-être qu'il pas candidat, il a dit plutôt, nous avons soutenu Michel Martelly comme candidat. Mais il dit pas candidat, ça veut dire il identifiait certains mondes dans PHTK qui seraient probablement deux mèches avec assassinat Maril. Et laisser ça, dans le discours fait pendant tout ça. Donc, la bataille est ouverte aujourd'hui entre le PHTK et Martine. Kounia Martine pour aller monter équipe pour Jovenel Yo et PHTK pour aller monter pour monter équipe lui. Maintenant, thème campagne de dire pour Jovenel. Si c'est Jovenel que Martine va l'utiliser comme thème campagne, PHTK va pouvoir utiliser Jovenel comme thème campagne. Donc, je voulais faire connait pour conclure l'émission. Pour aller courir. Pour aller courir. Mais comme ma élection, vous ça Martine dit que le bras candidat. Pourquoi il y a élection? Mais l'interview à tout le journaliste là, pas dit côté mieux. Il avait dit Martine, panique le peur. Et pour l'interview, ça, tu as un peu de diplomate qui était là. Et tu as gagné l'autre monde qui était là. Ça veut dire, le monde qui parle de face matin d'élection, c'est Michel Martelly, Liné Balthazar, Lérisson, Lambert, ok, on s'assassine. Tout le monde sait au conseil qui Martelly. Donc, il va l'obliger en face matin. Allons, belle bataille, mais ouais, ça. Donc, et, bon, ma fini pour me dire, je vais faire. Nous avons pris un petit temps pour nous présenter nos actes 2A. Jean, ça t'est passé. Mais, pour dire pas que nous avons dit oui. Mais ce n'est aucune liste qui a 50 personnes qui ont tué. Dans la liste, il y a Jovenel, il y a Claude Joseph, il y a Léon Charles. Et il y a Gary Baudot. Tu es